je trouve ça hyper important de parler à la jeune génération qui a des attentes du haut niveau, qui des fois a des attentes biaisées, faussées, et juste de leur dire bah, comment c'est en réalité, et qu'ils se découragent pas, parce qu'on sait que c'est très compliqué le niveau. Et souvent quand on est jeune, en tout cas ça a été mon cas, on s'attend pas à autant de difficultés dans la carrière de sportif. Et voilà, de temps en temps leur dire ça va être compliqué, mais accrochez-vous. Il y a l'école aussi qui est importante. Enfin voilà, toutes les petits tips qu'on peut leur donner en tant que plus ancien, en tout cas avec notre expérience. Quand je suis arrivée à l'INSEP, comme je performais très très rapidement, c'est vrai qu'au début c'était compliqué pour moi parce que je performais pas autant. Donc c'est vrai que c'était dur, c'était compliqué. Et si j'avais eu la chance qu'on me dise, bah Roman, quand tu vas arriver à l'INSEP, ça va être compliqué, tu feras pas tomber, tu vas avoir des mois compliqués, ça va être difficile. Peut-être que je l'aurais mieux vécu, en tout cas à l'époque, parce que je me serais dit, ok, ça fait partie du jeu, c'est normal en fait. D'avoir des tips d'anciens, de champions, en plus on était vraiment deux générations différentes. Donc voilà, on a vraiment la vision de la jeunesse, la vision un peu plus ancienne, la vision de quelqu'un qui a fait plusieurs fois les Jeux, de médailles olympiques. Donc je pense que c'est vraiment que du positif pour eux, et j'espère qu'en tout cas ils prennent ça comme une chance, parce que de pouvoir parler à des athlètes, voilà, de leur poser des questions comme ça, c'est quelque chose d'hyper enrichissant. Et moi je sais que, bon après je suis arrivée à l'INSEP aussi un peu tardivement, mon histoire avec le haut niveau est différente, mais je suis sûre que si à mon jeune âge j'avais eu cette expérience et cette opportunité, ça m'aurait forcément donné un petit coup de boost et me dire ok, c'est comme ça qu'on fait, c'est possible, et moi aussi je peux y arriver quoi.